Jacques Barrot s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Avec lui, disparaît une grande figure de notre vie politique et un grand serviteur de l'État. Partout où il est passé, il a laissé l'image d'un homme de dialogue et de conviction. La vie politique est une vocation, insistait-il, et il y aura consacré une très grande partie de sa vie, s'engageant passionnément après la mort brutale de son père. Les députés que nous sommes garderont le souvenir de ces 28 années de mandat au cours desquelles il présida le groupe de l'Union du Centre, le groupe de l'UMP, la Commission des Affaires sociales et la Commission des Finances. Plusieurs fois ministre sous les présidences de M. Valéry Giscard d'Estaing et de M. Jacques Chirac, commissaire européen et vice-président de la Commission européenne, il siégeait depuis 2010 au Conseil constitutionnel, nommé par Bernard Accoyer, alors président de l'Assemblée nationale. En votre nom à tous, je présente à sa famille et à ses proches les condoléances de l'Assemblée nationale. Je vous invite maintenant à observer une minute de silence. Je vous remercie.